Bonjour Barbara, deux fois n'est pas coutume, voici un autre livre éducatif pour l'enfant. Celui-ci, il est directement pour l'enfant, hein, parce qu'elle a besoin d'apprendre la douceur, je dirais. Ce qui commence à être, d'ailleurs Léon, qui est juste là, commence à accepter beaucoup plus ses caresses, puisqu'elle l'agresse un peu moins. Donc c'est un petit livre. Je ne suis pas spécialement fan des dessins, même si au final on s'en moque un peu. C'est de Pierrick Bizinski et c'est École des loisirs, a priori. Les dessins sont rigolos, hein, ça va, ça me dérange pas. Donc il y a très peu de texte là aussi. On est sur une histoire assez simple. Un enfant veut caresser un chat qui ne veut pas, pour des raisons assez évidentes. Je te montre, et ça c'est très bien parce que du coup je peux vraiment apprendre à l'enfant à ne pas tirer sa queue, surtout pas. Et il se fait griffer, donc il se plaint, et son père lui dit que c'est quand même lui qui a peut-être fait n'importe quoi. Et bref, l'enfant est un peu triste, mais du coup il est calme et il n'embête pas le chat, et du coup le chat va venir vers lui. Voilà, donc pour le coup, je l'ai trouvé très peu cher. Dans la rue, là, les vendeurs qui vendent des livres qui sont des invendus ou des choses comme ça. Et pour le coup, en fait, eh ben, l'enfant l'adore, me demande de le lire en boucle, et elle commence à comprendre depuis un peu plus longtemps que le fait d'avoir le livre, mais en tout cas, voilà, ça rentre dans sa tête que si elle court, si elle crie, si elle tire les queues et les poils, bah, ça se passe pas bien. Bref, je suis pas une grande fan de ce livre, mais au final, il aura été utile à quelque chose, et c'est déjà ça. Voilà.